On distingue donc deux types de croûtes. Donc on a dit la croûte continentale et la croûte océanique, et qui se rencontrent à un certain moment sous la masse d'eau. Alors, la croûte océanique, représentée sur la figure à droite en couleur foncée, est une croûte généralement mince. C'est 7-8 km en moyenne. Cette croûte est constituée principalement de basalte et de gabbro, donc généralement des basaltes cristallisés. Et la croûte océanique, par comparaison à la croûte continentale, est relativement jeune, puisque créée par la tectonique des plaques, disons, actuelles. Vous voyez sur votre diapo, il y a une carte où l'on montre enfin, les différentes plaques tectoniques. Et voyez en jaune, pardon, les limites entre ces plaques. Et l'on voit très bien les plaques, enfin, des plaques tectoniques océaniques et des plaques tectoniques où l'on voit une partie continentale et une partie océanique. Donc, la croûte, et ça, on va le faire dans le cours qui va suivre. Il y a un cours qui est dédié à la tectonique des plaques. Et donc, nous reviendrons sur les détails de la formation de ces limites et de ces plaques tectoniques. Quant à la croûte continentale, schématisée ici, enfin dessinée ici en rouge à droite, et la croûte continentale est épaisse, beaucoup plus épaisse que la croûte océanique, donc 35 km en moyenne, et cette épaisseur peut aller jusqu'à 80 km quand il s'agit de chaînes montagneuses. Donc la croûte continentale est constituée principalement de roches granitiques et de roches sédimentaires, et on va voir ça quand on va aborder donc la subduction, l'obduction et les collisions entre les différentes plaques tectoniques. La densité de la croûte tectonique est de 2,8 à peu près. La croûte porte les roches les plus vieilles sur la Terre. On en a parlé dans les cours précédents, et donc ils peuvent atteindre 4 milliards d'années.